Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous voilà pour une petite vidéo sur les aquariums de Paris. Donc je pense que ça va être le troisième et dernier. Donc je vous avais présenté l'aquarium de Paris. N'hésitez pas à regarder dans la playlist pour pouvoir justement profiter de ce spectacle qui était vraiment magnifique. Je vous ai également présenté l'aquarium de la Porte Dorée. Et là aujourd'hui me voilà un petit peu plus loin de Paris. Donc je suis à Val d'Europe. C'est pas loin de Disneyland Paris. Pour vous montrer le troisième et dernier aquarium. Donc j'espère que vous êtes prêts. Suivez-moi, on y va tout de suite. Thank you.
Voilà les amis, je viens de terminer la visite. Donc par rapport aux trois aquariums, il y a quelques petits points positifs, quelques points négatifs. Les points positifs sont vraiment que la décoration, elle est super magnifique. C'est un aquarium qui vous en met plein la vue. C'est quelque chose d'assez nouveau par rapport aux trois que je vous ai montré, plutôt aux deux. Et là, c'est le troisième aquarium. Donc c'est, il se démarque par rapport à la décoration qui est vraiment personnalisée par rapport aux aquariums. Et le petit défaut qu'il peut y avoir, c'est qu'il est un petit peu plus petit que celui de la Porte Dorée. Sans parler de celui de Paris qui est beaucoup plus grand. Et ça manque un tout petit peu d'espèces. Mais attention, il y a des espèces plus exotiques qui sont vraiment très intéressantes, comme la méduse, comme des manchots. Malheureusement, j'ai pas pu vous les montrer, ça a été fermé aujourd'hui. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres visites. Prenez soin de vous. Allez, gros bisous les amis. Désolé si je bois rien, parce que je suis vraiment ébloui par le soleil. Allez, je vous dis à bientôt. Gros bisous.